Rebonjour et bonsoir amis internautes, je vais garder la joie, je vais la c'est comme ça, élève l'école, je vais courir le port au point, c'est le moment que je parle avec vous là, coup de balle, je vais chanter tribon, pas bon, une façon pour Ariel Henry pas mettre pied dans le pays d'Haïti encore, après je vais faire un sous que Ariel Henry déjà prendre avion pour le venir, et bien population déjà mettre en cours, et puis plusieurs chefs gang, nous connaissons qui étaient campés contre Ariel Henry, j'en ai dit dans le dernier léa, si ce n'est pas vous mettre pied à terre, il n'y a pas qu'à développer parce qu'il n'y a pas qu'à faire dans le pays, il n'y a pas qu'à s'équiler, il fin a pas qu'à arrêter dans cette zone, et puis pour ne pas dire pour Ariel Henry sorti pour aller chercher Kenya, pour venir capable de tout yon dans le pays, et bien vous faites connaître Ariel Henry pas passé là, parce qu'il déjà mette yon dans le sang, il a pris dans le sang net. Et bien ça ne tape non, c'est ça ne tape dans non, c'est vlen de vle, pour même bandit ça au côté de yon fin baye aux amlan, pour yon vire les amlan contre moun qui baye là tout, parce que c'est pas la population pour absibi. En pile coup de balle pété en bas la ville, côté moun ap kouri tribord pas bon, yon pas contre côté coup de balle ça va sorti. Et mes amis internautes, nous chargé couler bas, nous pas jouer côté Pierre Espérance en fait gros déclaration qu'il y a bagaille la vienne virer en bif, mais ça Haïti a, mais ça pays spécial là côté toi a fait qu'on est Pierre Espérance fait qu'on est que oui Léon Charles lancé un gros mob qui coupable l'assassinat président Jovenel Moïse là, mais ça pays a tap tan nan, et bien nèg yo chaud nèg yo pensé tap fin tout Jovenel toute bagaille tap fini, même que me connais juge en place là toujours gain parti pris quand même allant l'investigation que l'a mené yo. Mais quand même, bagaille la cherche Chimel. Si on juge pas qu'à juger, il y a cherché un autre juge. Parce qu'il y a plusieurs juges qui sous dossier, qui ont mené enquête jusqu'à ce qu'ils joignent comment le président arrive, perdit la ville. Nous c'est Géo Axorou, Chanel Information, nous disons bienvenue encore, qui c'est Haïti Libéré, Chanel qui l'a pour informer ou là. Bonjour Wendel, bonjour tout auditeur et téléspectateur. Et Radio Télé Métropole, et nous là pour nous faire un petit parler sur enquête qui débouchait sur l'ordonnance qui rend semaine passée sur l'assassinat de Jovenel Moïse, et en même temps tout pour nous parler sur déclaration et interview que l'ancien directeur général de la police, qui est un monde qui est impliqué jusqu'au cou dans l'assassinat de Jovenel Moïse depuis Petit Bois et dans le mois janvier-février 2021 pour arriver 6-7 juillet 2021. Nous-mêmes, nous avons dit tout ça nous connaît depuis les enquêtes là et commencé jusqu'à ce que le juge là rende ordonnance. Ok. Même tout souligné là, qu'on dit impliqué jusqu'au cou. Oui. Ok. Et des précisions. Et précisions. Si on prend par exemple Petit Bois, nous songeons ce qui s'est passé à Petit Bois et les 6 et février. 7 février 2021. Dans la nuit 6 pour 7 février 2021, la police qui sortit dans le palais national, l'IGPN, avec le commissaire gouvernement Kouadé Bouquet, et puis le DCPJ qui débarquait, il a joué le monde dans l'espace là, et puis après ça, il a arrêté, il a mené dans le DCPJ. Mais Petit Bois, il a commencé depuis plusieurs mois, côté que son espace, que le monde a réuni, son prétexte, bon, soi-disant, un certain Whitman qui était travaillé dans la Maison Blanche, dans NSI, et qui a discuté avec un série de monde pour une transition qui fait. Et monde qui a discuté avec eux, ils ont venu en contact, et quand même, ils ont contacté Dimitri Rira, mais ça, c'est des bails qui sont sortis dans la presse, et même voice, même échange Dimitri Rira avec un inspecteur général et dans la police là, qui était arrêté pour. Et dans Petit Bois, et il était dans la rue, mais pour ça qui concernait Léon Charles, Léon Charles était participé régulièrement dans la réunion avec Mario Beauvoir, il était même dormi, il était dormi dans l'espace là. Et c'est Léon Charles qui fait et Mario Beauvoir et quitter l'espace là, jour et 6 juillet et 6 janvier et 6 février pour ne pas arrêter. Ouais. Donc c'est Léon Charles qui fait Mario Beauvoir sauver. Oui, c'est lui qui fait sauver parce que c'est Mario, cerveau. Même battant de ça, Dimitri Rira dit non.
Non, moi, je parle. Non, pour sauver, pour sauver. Parce que Dimitri Erardi, Mario Beauvoir volé, ou quand elle prend. Allez, oui, il prend, lui-même, qu'elle blessé dans Barbelé, tout ça. Non. C'est ça, m'entendez. Mario Beauvoir quitte espace là, depuis vers zone 5-6 heures après-midi, et débarquement de la police, ça devine fait très tard dans la okay. Donc, Mario Beauvoir pas volé quitter espace là, parce que nous-mêmes, et nous t'ai rencontré et moun qui ont été arrêté yo et yo te dit nous depuis vers 6 heures yo pa wè Mario Beauvoir dans l'espace jusqu'à ce que la police débarque qui donc le Dimitri era débarqué avec troupe li et Mario Beauvoir pas dans l'espace là et Léon Chalté là le Dimitri era débarqué là non il vient venir il vient venir après mais ça vient arriver et sous dans petit bois. Le Dimitri Ra a expliqué et Jovenel Moïse a un complot qui a monté contre lui pour un coup d'État. C'est ça qu'il a expliqué. Et il dit qu'il a contacté Jovenel Moïse. Ça passait 3 à 4 jours avant, avant 6, et janvier, 6 février 2021. Et parce qu'on est venu le 6-7 juillet 2021, et c'est ça que fait, et on pourrait être d'Atio et assemblé. Et Jovenel convoqué Léon Charles, il convoqué Dimitri Ra, il dit, il pose des questions, il demande, mais qui ça a passé? Et Dimitri Ra a expliqué, et président, mais ça a passé. Jovenel dit, mais Léon Charles. Moi, je ne vais pas dire président Jovenel. Jovenel pas de jambe président pour... Non, Jovenel était un monde qui était élu, la longue élection, li passé, c'était président Jovenel Moïse. Si vous me dites Jovenel, moi je dis comme ça, mais président Jovenel Moïse, li te, oui, il était président pays, c'est lui-même qui a gagné l'élection. C'est lui qui était président. Okay. Et puis, Jovenel dit Léon Charles, ça a passé, ou pas de connaître, Léon Charles est tête en bas. Depuis ce petit bois, Jovenel Moïse est doué écarté Léon Charles dans la police. Léon Charles connaît Petit Bois jusqu'au cou. Maintenant, il dit que et c'est à partir de la Saline, un juge d'instruction qui était décerné au mandat pour arrêter Jovenel Moïse. Premièrement, je dis pour le public là, RNDDH pas porté le parti civil dans la Saline. Nous accompagnons les victimes et ces victimes qui ont déposé plainte. Et contrairement avec ça, mon ta pensé. Et peut-être mon ne pas suivre assez. Dans la Saline, tu as plusieurs rapports. Tu as pour plus petit 4 organisations de droit qui font rapport. OPC fait rapport. Et FJKL fait rapport. CAD fait rapport. RNDDH fait rapport. La police judiciaire fait rapport. Et le commissariat des Nations Unies pour le droit fait rapport. Tu as pour plus petit 5 rapports qui existaient. Dans la Saline. Et nous-mêmes, pendant tout mandat Jovenel Moïse, et sous le préfet de Dibou. Non, allez. Pendant tout mandat. Ça, c'est le naturel, il revient au galop quand même. Ok, pendant tout mandat président Jovenel Moïse, là, nous n'avons pas jamais déposé un dossier devant la justice, côté que nous avons porté nous, comme parti civil, nous avons déposé plainte pour Jovenel Moïse. Ça, nous avons fait, comme organisation de l'Ouamoun. Et nous faisons sous tout pouvoir, quel que soit le pouvoir. Dérive qui t'a fait sous Jovenel Moïse, nous t'es campé en face des rives, nous t'avons dénoncé, et gangsterisation pays, banalisation et la vie monde, et gangsterisation pays, et au monde tant que Léon Charles, il joue un rôle extrêmement important, la dernière, pas oublié, et Matissan a commencé 1er juillet 2021, et Léon Charles était directeur général de la police, les arts. Et deuxième raison. Attends. On dit que gangsterisation pays a commencé avec Léon Charles. Oui. Mais il dit un bagaille là tout dernièrement, il dit ou demander pour arrêter barbecue. Mais justement. OK. Mais justement. Mais il dit tout que pour se pas demander pour arrêter il appli. Bon, écoute, m'a dit un bagaille. Nous même dans RNDDH, sous suivre ça nous fait dans rapport, dans dénoncer massacre, kidnapping, banalisation la vie monde. Alliance gang avec autorité, puissance gang, nous dénoncer toutes. Et ça capable de arriver que nous avons discuté de
barbecue, Genève et Allier, nous dit barbecue. Mais mm-hmm. nous sommes capables de dire ça, nous sommes capables de dire la pluie. Mais lui-même, ou bien ISO. Mais lui-même, il a une bonne relation avec eux. Nous sommes le 12 mars 2021, 12-13 mars, et la police a fait une intervention dans la ville de Dieu. Côté que les bandits dans la ville de Dieu ont une implication tout gang dans la Grand Ravine. Ils ont tué plusieurs policiers. Et mais cadavre policier, ça n'a pas jamais venu. Mais le directeur général de la police a quitté la laisse, Léon Charles, lui payé et ISO 1 500 000 gouttes pour récupérer blindé que bandi ont volé. Or, récupérer blindé a été plus important pour lui que cadavre policier, au moins pour famille, était capable de venir pour l'intérieur. L'ancien directeur général là, qui t'a parlé avec moi vendredi dernier, M. Cotan de Saldio, tandis un pile dans. Révélation que le Dieu. Il va faire révélation. Ou qu'a quitté Mbalé, quand même. En tout cas, mais ça le dit. Il dit que l'assassinat 7 juillet a commencé depuis rapport côté rédigé, rapport sur massacre qui était fait la Saline. Et c'est sous base rapport ça, qui était produit 1er décembre 2018, sous ça que passé la Saline, que juge Roger Noël Sius a sorti mandat 18 février 2019 contre Jovenel Moïse comme chef d'État en fonction, malgré, si c'est pas ça, on va dire, si c'est pas ça, malgré doyen tribunal première instance, Port-au-Prince, M. Bernard Saint-Ville, te soumettre dossier à bail, un autre juge d'instruction qui c'est Chavanne Etienne, depuis 4 janvier 2019. Qu'est-ce qu'on a dit, non? Bon. RNDDH, équipe RNDDH là, et puis moi-même, tout, Pierre Espérance, que inculpé a cité non, et comme quoi nous fait mandat, nous prenons connaissance de mandat ça seulement pendant l'année 2022. Nous pas jamais au courant de un juge d'instruction qui a décerné un mandat contre Jovenel Moïse en 2019. Nous ne connaissons pas ça. Nous ne connaissons pas ça. Et je reprends pour encore. RNDDH n'a jamais porté le parti civil dans le dossier La Saline. Qui donc, et nous-mêmes, tout dans RNDDH, nous n'avons aucune plainte que nous signons contre Jovenel Moïse, ça veut dire contre l'ancien président Jovenel Moïse, ça veut dire que nous n'avons pas un dossier pendant devant la justice et contre Jovenel Moïse. Okay. Qui donc, et nous pas juge ça et nous pas aucun rapport avec lui, nous pas qu'on est juge là et nous prend connaissance et mandat ça c'est en 2022. Ça c'est un. Deuxièmement, il parlait de oui, mon compte mettre Beauvoir. C'est sous ça m'dabini. Ah oui. Oui, c'est sous ça m'dabini. OK, donc vous dites pas qu'on juge là. Oui. On pas qu'on juge là ni en peinture ni en peinture. Oui. On pas au courant de mandat que mettre contre président Jovenel Moïse non plus. Nous pas connaissance de mandat ça en 2022. Nous pas connait avant ça. OK. Nous pas connait. Nous pas au courant si c'était un mandat de mine. Et nous pendant ce mandat ça nous dit mais moun ça son moun fou qu'il y a. Comment un juge capable de décider de décerner un mandat contre un président en fonction qui sur qui base et de qui dossier qu'il a instruit, parce que un juge pas qu'à saisir un dossier pour tête li n'importe citoyen un groupe victime qu'à saisir cabinet d'instruction. Oui, mais l'offre de l'offre de saisir cabinet d'instruction pour juge là qu'on y a li commencer instruit et sous dossier ça veut dire commencer mener enquête li fait pour communiquer dossier à parquet à pour réquisitoire et si parquet a dit que pas gain lié pour poursuivre ou pas qu'à poursuivre donc ça son bagage pas même comprendre qu'on y là ou parler de maître Mario Beauvoir. Oui, Mario Beauvoir, commissaire, gouvernement, deux fois, dans quoi des bouquets. Et une, si je ne me trompe pas, c'est sous Joseph Michel Matéli. Et moi, quoi que dossier qui était impliqué, un conseiller et ancien président et Matéli, qui c'est Calix Valentin, sous un incident qui était passé sous frontière, c'était Mario Beauvoir, si je ne me trompe pas, qui était. Et commissaire gouvernement quoi des bouquets à l'époque ça et puis et moi crois que les Jocelyn privé vient tourner président provisoire et Mario Beauvoir était commissaire gouvernement
Et une organisation droit monde tant que RNDDH qui c'est une organisation active dans question droit monde, un commissaire gouvernement en juridiction et Port-au-Prince ou bien et quoi des bouquets et nous pas capable connait oui nous connaît et Mario Beauvoir mais Mario Beauvoir pas avocat RNDDH. OK. Il y a un influenceur que moi c'est recherche par Baoul tout même sur un article que monsieur sorti en tout cas qui vient jamais dans week-end là dans texte ça qui que le publié sur compte Twitter qui je dis en relais X j'ai dit que Pierre Espérance du RNDDH et maître Mario Beauvoir ont bel et bien participé dans les réunions avec les mercenaires colombiens et plusieurs assassins clés du président Jovenel Moïse Gladeur qui est en condamné. Okay. Et monsieur écrit tout pour le dire, Pierre Espérance, maître Mario Beauvoir et Joseph Félix Badiou, entre autres, voulaient au départ arrêter le président, comme indiqué dans une lettre de Mario Beauvoir à l'ambassadrice des États-Unis en Haïti. Et c'est à la dernière minute que Joseph Félix Badiou a informé les mercenaires colombiens que leur mission était d'assassiner le président Jovenel Moïse. Et Wendell, moi pense que pour respect que moi gagne pour moun k ap koute nou la et puis tout pour respect pour moi tout pour respect que m'gen pour ou moi patat et remen m'a pour ton réponse et sur ça même pas ta remen a parler sur ça raquette a dit par exemple moun sa m konnen ni ou dit ou influenceur ou il rele Giovanni qui bay tête li non pote comme et journaliste et anticorruption. Donc vous êtes en well déjà, Oui, mais donc ça veut dire que moi nos services le fait non, que me permettre qu'on réponde. Non, pas mon service puisque on mettait dans une situation difficile, m'a répondre on raquettait. On est qui chit en côté et en premier temps. Mais yo en pile et yo bon, yo de ça fait travail pas. Par exemple, monsieur et son nègre qui t'a travaillé avec barbecue, qui t'a mangé l'argent barbecue, lui ils vont côté la critique de Michel Rizier et puis qu'on y est là, là chercher moun pour lui demander asile politique et après son moun, c'est un moun qui a attaqué tout le monde. Alors, mais qui ça l'utilise pour attaquer moun? C'est mander moun l'argent, assez les moun et puis l'autre babali, il a attaqué moun. Dans cas pas moi, il pas mander, il te mande non. Il était venu dans bureau RNDDH en novembre 2021. Il dit que la menacé par barbecue, il a besoin de quitter le pays. Mais moi, dit que si on a un problème avec barbecue, ou c'est ou tu as mangé cobli, ou tu es en moulité, donc c'est pour résoudre le problème avec barbecue. Oui, et je doute que Giovanni, son raquette qui est lié, et qui a attaqué et moun kap di n'importe bagay. Qui relation pour m'être capable de gagner avec Badjo, avec Colombien? Moi son défenseur droit moun moi partisan la vie moun moi pas partisan banalisation la vie moun et moi même moi son moun qui non violent et c'est une raison qui fait que ouais RNDDH t'es en face des rives qui t'a fait sous Jovenel Moïse en fonti campé en demi alors qui t'a fini nous t'es en face des rives mais nous pas jamais penser que il t'a pas tué Jovenel Moïse et est-ce qu'on pas jamais mal Tibois non pas contre Tibois. Vale. On va jamais participer. Non, on va jamais aller. Ok. On va jamais aller. Jamais. D'accord. Jamais. À la lumière de ça qu'on dit là matin, Pierre Espérance, combien de fois yon en juge qui a instruit le dossier Jovenel Moïse tande ou? Et gen yon juge qui tande moi, c'est juge et qui sorti ordonnance là. Walter, oui, c'est Walter. Walter, il tande moi nan commencement juillet 2023, moi j'étais dans cabinet li, il était en. À quel titre il était en dehors? Pas oublier, RNDDH fait plusieurs rapports, prend en pile position sous dossier et nous t'es voyé tout rapport que nous t'es bali, que rapport nous t'es publié avec communiqué de presse, et il t'est jugé que pour il était voulu étendre moi si j'ai une information additionnelle. À partir de après le rapport que nous voyons balayer. Tout à l'heure on dit que Léon Charles a participé dans plusieurs réunions dans Tibois. Oui. Ok. Mais on va dire non si Léon Charles a rencontré où? La caillou. Non.
ou poser une question après pour nous. Non, écoute, il y a un beau zolé. Oui, mais. Non, ou pas dire non, si c'était la CAO. Léon Charles, c'est un directeur général de la police. Moi, je connais Léon Charles, et depuis avant même, il était directeur général de la police en 2004, il fait 2004-2005. Nous avons une très bonne relation. Léon est tourné en Haïti, et il est directeur général de la police là, et jusqu'au mois de novembre 2021, après le fin assassiné Jovenel Moïse. Et nous avons de bonnes relations. Et les relations sont coupées. Et je suis capable de dire trois jours après l'assassinat. Mais il faut que je dise tout, les relations ne sont pas bonnes du tout. Et depuis Petit Bois, parce que je connais l'implication dans Petit Bois, mais je viens couper net depuis après l'assassinat. Et souvent, je m'explique pour qui ça, je viens couper. Oui, l'étape très bon, vous nous connaissez, parce que normalement, RNDDH n'a pas jamais raté l'occasion pour dénoncer violation des droits humains. Très bien. Donc, vous connaissez un complot à fait pour assassiner ou bien pour un président en coup d'État, dans Tibois, ou au courant de ça, mais on pas dénoncer. Moi-même? C'est ce que je dis là. Moi-même qui dit ça? Vous avez dénoncé? Non, pas. Non, parce qu'on dit comme ça que la relation a commencé à détériorer à partir de participation dans la réunion de Tibois. Oui, mais qui est-ce qui vient de Petit Bois? Je viens de connaître Petit Bois et c'est après le témoignage Dimitri Era Abay sous et va-et-vient que Léon Charles a fait dans Petit Bois. Je viens de connaître tout à partir de Mounio qui a arrêté et qui a loué. Et puis, nous venons comprendre, et sac Petit Bois, et Mounio dit nous, Mounio, il y a plusieurs, gagnent anciens responsables dans la police là, et nous, disons anciens regradés dans la police là, tu gagnes un médecin, tu gagnes un agronome, tu gagnes un juge dans la Cour cassation, nous, ouais, toutes, et yo même qui t'a expliqué nous, Jean, et Léon Charles, tu fait va-et-vient dans Petit Bois, c'est après, au final, arrêté. Donc, je ne connais pas Petit Bois avant. Je ne connais pas. Si je ne connais pas, je dis ça, je connais bon côté qui des droits. Moi-même, Pierre Espérance, même si c'est quel que soit le monde qui occupe n'importe fonction dans le pays, et que même si le monde est impliqué dans la dérive, mais depuis que je connais un plan qui a monté contre lui pour exécuter lui, m'bra aller bon côté qui des droits m'a informé qui des droits et qui des droits dit par l'autre monde c'est la police judiciaire ou bien monde qui dans chaîne sécurité dans pays a qui dit ça parce que moi-même moi sont non violent partisan la vie nous sont défenseurs droit monde moi pas partisan banalisation la vie monde qu'on est là me penser que et wa bam occasion pour m'expliquer qui rôle. Et Léon Charles jouait dans un complot qui débouchait sur l'assassinat de Jovenel Moïse et puis après l'assassinat. Très bien. Mesdames? Oui. Merci. Et le 7 juillet, Jovenel mourut dans la nuit 6 pour le 7 juillet. Et 7 juillet, pour qu'on ait un rapport préliminaire juge de paix, et DCPJ fait qu'a commencé et saisi des dossiers. Donc, et c'est au fur et à mesure qu'on a commencé à comprendre le comportement de Léon Charles dans le dossier. Si cette juillet est passé, il a fait appel à un juge de paix pour faire un constat. Juge de paix arrivé dans le commissariat de Pétionville depuis 5h35 du matin. C'est dans le début après-midi 7 juillet, Léon Charles reçoit l'autorisation pour JDPA aller dans la résidence Jovenel Moïse. Parce qu'il était fait tout le temps dans le commissariat. L'autre bagaille, il y a un Colombien. Oui, mais Alphonse, tu campes sur ça. Ça n'a pas dit que c'est électoral. Non, je n'ai pas fait. Je n'ai pas fait. Je vais venir. Je tout le comportement qu'il y a dans le dossier. Ok. Quand il y a un Colombien, qui réfugié et avec et Vincent et Solage, yo réfugié yo Mont Galvez. La police
aller. Monsieur est arrivé dans un moment côté que yo décidé de rendre tête. Il y a deux Colombiens qui ont exécuté, ils ont neutralisé, ils ont maîtrisé, ils ont exécuté, et c'est Léon Charles qui a eu l'autre pour exécuter. Quand là, les autres Colombiens. Monsieur Espérance. Oui. On dit que c'est Léon Charles qui a eu l'autre pour exécuter. Oui. L'autre, ça a écrit ou bien dans le téléphone. Non, bien... c'est lui-même qui a commandé l'opération. Il a commandé l'opération, il fait exécuter, c'est lui-même qui a commandé. Parce que songez que Léon Charles Dou, il fait tant dans Pétionville, il n'est pas arrivé dans la résidence président. Il arrive sur ça. Après. Non, mais attends, non. Et pour qui ça le fait exécuter deux ça, alors que l'autre, il a arrêté. Parce que Moun Sao, c'est Youn Namoun, selon enquête de CPJ, c'est Moun qui fait partie du groupe Delta qui est rentré dans la chambre président qui exécute le président. Donc il fait tuer deux Moun Sao. Deux Moun Sao. Vous avez un nom? Oui, je ne pas un nom avec moi là, mais il y a enquête de CPJ. En avance. Il y a une enquête de CPJ. Ça veut dire que soit il y a un premier rapport partiel de CPJ ou bien un nom. Qu'on y est là? Et alors, rapport ça, te remet dans le début mois d'août 2021. Quand il y a Colombien, avec des Haïtiens américains, ils rentrent tête dans le commissariat Pétionville. Là, ils rentrent tête, ils gagnent là-dedans, ils jouent 40 000 dollars américains sous eux, etc. Et puis. Pierre, avant de faire ça. Vous dites 40 000 dollars. Oui. Vous jouez sur vous. Oui. OK. Alors, ça, c'est un Colombien. Un Colombien était joué. Vous venez de l'autre cobri sur l'autre, mais plus gros cobri était joué et sur un Colombien, vous gagnez 40 000 dollars américains. Un Colombien. Quand il y a là, le et des Haïtiens américains, Vincent et Solage, et Léon Charles prend, il rentre dans le bureau commissaire, il fait environ une temps et demi à faire réunion avec eux, à parler avec eux. Environ une heure et demie, à fond tête à tête avec eux. Vincent et Solage. Quand il y a là, l'heure où il va dans le DCPJ, qui commence à faire enquête, enquêteur, il y a plusieurs enquêteurs, ils mobilisés, il y a environ une douzaine, et chaque travail par eux qui a fait, peut-être, je pense qu'il y a un groupe en groupe de trois ou bien quatre. Léon Charles prend commande et enquête là, et il exige. DCPJ chaque jour pour bali un rapport sur moun ki yo arrêté ki nan meyo ki yo auditionné et sur tout ça yo gen comme relevé téléphone et nan cadre enquête ça et c'est ça qui le fait que youn nan cerveau et crime nan m'a dit youn nan d'ailleurs John Joel Joseph qui immédiatement après assassinat t'es allé Cité Soleil dans base Ti Gabriel et pour une raison on l'autre il quitté et base et Ti Gabriel Cité Soleil l'aller en pleine là l'habiter en pleine qui côté non l'aller non caille en pleine là l'aller non caille la pleine il était moi pas contre caille ça non li on caille qu'il était on caille pas contre caille son caille m'a dit on caille qu'il était. La police judiciaire, enquêteur, yo joigne qui côté Michel Rété. La police prend disposition, yo va faire filature, yon après-midi autour de 6 heures pour yo aller arrêter Michel. Et comme étant donné c'est Léon Charles qui prend commande enquête là, et l'est informé de ça, il fait et John Joel Joseph quitter Kaila. Et c'est ça qui fait ou ouais que John Joel Joseph yo pas arrêté en Haïti, c'est juste Jamaïque l'aller. Donc c'est lui qui facilite... Non, pas les Jamaïcains, c'est lui qui facilite qui était cas là, qui fait que la police judiciaire et la police pas arrêté. Et Sam Abdullah, c'est auprès de enquête là, des enquêteurs. Et gagnant un appareil, et Joseph Jout acheté pour et la police là, pour des CPJ. Mais appareil ça, c'est pour aider en pile la question criminalité. Et son appareil qui a détecté communication moun qui a même capté et échange moun communication et qui capable et identifier moun tout dans des zones côté yo mais c'est moun et capable de soit qui yo suspect qui dans crime et dans sac pas ça dans kidnapping etc. et
Appareil ça, tu es commandé sous Joseph Jout, l'irrivé et plusieurs mois avant l'assassinat. Et enquêteur de CPJ et de CPJ mandé appareil là qui pour permettre faciliter l'enquête là. Léon Charles Kembe, appareil là, il pas jamais remettre le bail de CPJ pour capable bouiller Pichot. Et c'est là qu'il quitte la police en novembre 2021. C'est après un pile et demande, un pile suivi qui fait qu'il réussit à remettre l'appareil là dans la mi-temps de l'année 2022. Et c'est un appareil qui a facilité et enquêté pour être capable de suivre une série de conversations et beaucoup plus rapide que les aller bon côté compagnie téléphonique qui prend un paquet de temps pour bail et information. Donc selon vous même appareil ça là toujours connait là. Oui, il remet en 2022, il est là, il oui, là. Appareil ça là travaille dans les CPJ. Oui. Au sûr de ça. Appareil là. Non, moi je suis sûr. Oui, sûr. OK. Oui, sûr à 100%. Oui, sûr. Très bien. Très mais son appareil qui coûte un bon petit cob qui commande sous et que monsieur de confisqué pendant longtemps. Il confisqué lui, mm-hmm. Il prend appareil là depuis et l'elle venu parce qu'il connaît ça le faire, il connaît un complot contre Jovenel Moïse qui débouchait sur qui a assassinat et immédiatement après assassinat, ça a été fait s'il te voulait lumière fait sous crime là, c'est remettre appareil là by des CPJ qui pour permettre que. Mais j'en m'en parler là, c'est comme si c'était seulement Léon Charles qui est impliqué dans l'assassinat. Ah non, si vous voulez nous parler, Wendel, nous avons fait 3 émissions, Valovle, Mabdou, tout ça, nous connaît des enquêtes là, et Mabdou, tout ça, nous connaît. Cependant, il y a des bagailles que pas connaît, il n'y a pas d'enquête là, parce que souvent des mobiles criminels intellectuels, criminels pas connaît. Parce que nous pas une partie financement c'est et c'est plus gros faiblesse qui gagne dans dossier ça. Mm-hmm. OK. On va parler d'ordonnance là. Oui, alors me dit enquête là qui débouche sur ordonnance. Okay. Et kounye là. Mm-hmm. Parce que faut proposer. Oui, kounye là. Pour y arriver assassiner Jovenel Moïse, la police judiciaire conseille des bases données, on sait des institutions clés dans l'état qui des CPJ connectés avec bases données ça. Qui est sur ces bases de données immigration et ONI, DGI avec OAVCT. Vous comprenez pour qui ça tout? OAVCT, c'est pour motocyclette avec machine. Mm-hmm. Et ONI, c'est pour quatre d'identification. Et immigration, c'est pour les gens qui font va-et-vient et qui te paye. Si par exemple, un bon exemple qui est simple, un policier qui dit dans le DCPJ, qui dit dans l'enquête là, et l'été là quand Jovenel Moïse, madame n'était rentrée joie, l'été obligé quitter Kaila pour la fontaine avec madame ni, l'elle retourner ni joindre ni attaquer Kaila. Son bail qui simple comme si avec base de données ça on va vérifier si et depuis au bail non monde ça est-ce que monde ça était rentrée joie vrai. Ouais, donc yo connecter toute base de données, déconnecter toute base de données ça yo. Maintenant, qui est-ce qui pour faire reconnecter yo? M'pa dire Léon Charles non qui était déconnecté, me dit yo déconnecté yo. Qui est-ce qui peut faire? Qui est-ce qui peut faire demande là? C'est Léon Charles. C'est lui-même qui fait partie CSPN. C'est lui-même. C'est pas directeur de CPJA, pas fait partie CSPN. CSPN, c'est conseil CPJA pour voir et police nationale là. Eh bien, il n'y a pas jamais fait démarche ça. Et base données ça, pas jamais reconnecté jusqu'à ce que la police remette premier rapport partiel. Et qui donc, ça n'a pas fait. Dernier bagage, on autre m'a ajouté. Ou dit dernier. Non, on dernier m'a dit sur rapport partiel là. La police judiciaire fait rapport partiel là. La police judiciaire enquête yo, yo te a 2 pas pour rejoindre mobile criminel avec auteur intellectuel criminel. Ça veut dire yo t'a pralé bon côté financement. Parce qu'on est enquête là chaud, yo t'a pralé bon côté financement. Léon Charles by Lord à DCPJ, pas entrer sous pisa. Liba et l'autre à DCPJ, pas entrer sur Pissao et enquêter pas qu'à aller. Parce que pour enquêter. Et ma propose aux mêmes questions encore, Pierre Espérance. Mm-hmm. Tout l'autre Sao, Léon Charles, Bayo, c'est toujours en zami taille. Non, pas que en zami taille. Ah ben, vous écrit, est-ce que vous écrit? Non, l'autre verbal, ça veut dire. Écoutez. Non, parce non, que. L'aime tous en zami. Si par exemple, j'ai un problème là, j'ai une menace sur moi et puis je voulais dénoncer. Il y a 2 jambes qui ont fait ça. Si je vois le bail Pierre Espérance, que je connais, que je bien, je me dis, Pierre, je n'ai pas tiré attention sur tel bagaille.
Et je vais mettre au courant. Je vais le téléphone, comme on me connaît bien. Mais pour un bagage aussi grave, on a parlé de assassinat d'un président. C'est pas, c'est un acte de légèreté quand même, bon côté. Et des CPJ et directeur général, pour que tu apprennes l'ordre. Non, attends, je... attends. Pour que tu apprennes recevoir l'ordre verbal. Non, non, pour pas trouver que le bizarre. Que parce que là, on va dire que c'est au écrit. Non, non. Écoute, pour qui ça va trouver anormal alors que c'est CPJ et hiérarchique qui baille l'ordre là. Qu'on non, là... mais l'ordre n'est pas obligé pas écrit. Et, bon, écoute, c'est ça que je suis capable de dire. Li baille, ils ont exécuté à la lettre et jusqu'au moment qu'on a parlé là, nous ne connaissons pas qui est-ce qui paye pour le crime. Ok, très bien. Okay, de toute façon, de toute façon, l'audio te baille et m'a rappelé. Mais d'où que, et depuis l'enquête là, comment c'est? Je suis ordonné des CPJ pour bailler un rapport chaque jour. Où est allé lié sur enquête là. Alors que... Ok, monsieur a dit un bagage là pendant l'émission qu'on a fait dernièrement. Il dit que de même que gang infiltré la police nationale, RNDDH infiltré police là. Donc, on va confirmer ça là pour nous là matin. Bon. Parce que donner ça, on va gagner un héros, on va gagner un en dedans qui va ouvrir. Parce qu'on va travailler dans la police quand même. Non, t'es monsieur, on va travailler dans la police, pas oublier que la police là, la justice haïtienne, à tes clés dans la chaîne pénale, il y a besoin d'organisation de droit qui active, il y a indispensable pour yo dans le cadre de travail. Ok. Je vais prendre pour encore. Mais qui devrait prendre une question plutôt? Moi, dis, est-ce que RNDDH infiltré la police nationale? Eh bien, nous pas infiltré la police nationale. M'a pas expliqué. Mon des antennes dans la police. Non, pas des antennes dans la police. Mais comment on fait qu'on est bonne chance pour m'expliquer. Allez-y. Relation nous avec la police. Mais d'où que relation nous avec la police, relation nous avec juge, relation nous avec acteur dans la chaîne pénale là. Mais d'où que nous-mêmes dans RNDDH et toute organisation droit monde qui actif, organisation droit monde qui active yo et relation travail nous pour travailler la capable bail résultat et institution clé yo acteur yo dans chaîne pénale là yo indispensable pour nous même gens tout est-ce que nous indispensable pour yo tout nous indispensable pour yo tout même pas ça me dit en pile là de dire non ah mais qu'il grand pile policier qui dit que organisation de défense doit mon pour deux bons dans ça vivre je dis comme criminalité bon et Wendell oui moi même pas pour répéter ça mon policier. Non, non. Pas monde comme ça. Écoute. Moi, Mabdo, Wendell, la police nationale, là, nous supportons la police, là. Nous toujours encourager la police, là. Nous toujours dénoncer des dérives tout qui vient dans la police, là. Bon, pour un petit campo là encore, Pierre Espérance. Excusez-moi. Bon, pourquoi bonne chance pour me répondre sur relation avec la police, là? Non, faut bonne chance pour moi. Sur question sensible, bon répondre. Non, mon deal, là. On répond, on ne va pas répondre assez. Non, non, non. D'accord, vous-même. Non, ça, c'est important. Allez-y. Communication à faire, Wendell. Allez-y. Moi, dis, organisation droit, mon yo, travail, yo, et institution, yo, clé dans l'État, acteur, yo, dans la chaîne pénale, là. La police là et la justice là, yo indispensable pour nous, c'est vice versa. Mabdou, par exemple, si la police judiciaire DCPJ a mené une enquête et li connaît que c'est RNDDH qui est capable de faire jouer une victime ça yo, eh ben y a bien côté nous, y a demandé nous information et n'a mis une victime à la disposition nous. Et même information confidentielle que nous gagnons tout, depuis ce n'est pas une information qui concernait et un policier qui pral mettre la vie victime nan et en danger, nous collaborer avec yo, qui donc travaille là indispensable. Pan et Mabdou, nous pas capable de compter combien de fois et équipe RNDDH se régulièrement li la monte descendre dans le commissariat, dans sous-commissariat, dans le DCPJ, dans accompagner moun et al ou moun qui dans le DCPJ. Même gens tout, donc, même gens tout, Wendell, même gens tout, DCPJ qu'on passe yon semaine et dans RNDDH
a gardé des dossiers qui capable aider on a qu'à travailler. OK, on faut que ben sur ça. Donc, qui concerne nous là. Dans sens ça. Est-ce que dans sens ça un monde qui dit n'importe directeur général de la police. Qui t'a capable dit que et nous influencer et la police ça c'est parce que pas contre la police ça. Donc là où tout dit nous tout que DCPJ travaille avec NDDH. En pile, pas nous même celle avec organisation droit mon. OK, dans cas d'enquête sur Jovenel Moïse là, DCPJ ou bail de CPJ des informations. Bien sûr. OK. Permettre que pas faire bon information. Permettre que propose là. Organisation droit moun et puis pour pas partager avec des CPJ. Même Jean Touendel là, académie police là. N'importe aspirant qui gagne les pral bon nouvelle classe pral rentrer et Wendel. Yo voye toute l'issue ba nou yi. Même j'ai envoyé bal de CPJ pour nous vérifier, pour nous aider sur enquête proximité, oui. L'emni nous, organisation droit moun kati yo. Ou te dit qu'on gagne un bagage que Mbaki t'a dit dans l'élaboration d'affaires. Nous te sous question, infiltration. Est-ce que RNDDH a filtré la police ou dit non, mais rapport yo excellent. Ah, bien sûr. Rapport excellent entre vous-même et entre les organismes de défense des droits humains et la police nationale. Gagne Joseph Félix Badiou, monsieur